c'est bon, je suis de retour. Je vais juste refaire un truc pour dire que je suis revenu en live. Qui puisse faire c'est bon. Donc creux, hein, c'est la deuxième partie. J'espère faire peut-être jusqu'à 22h au moins. Et après j'arrêterai. Ça sera une petite heure là par contre.
passer. On va passer ça parce qu'on l'a déjà fait. Blablabla, blablabli, blablablu. Plus tard, tant que tu voudras. Allô. Nous allons nous occuper de ce monstre. Que quelqu'un emmène Iris en un lieu sûr. Tifa, je ne console pas. Tifa. Comment t'appelles-tu? Ojo m'a baptisé Red 13. Un nom qui n'a aucun sens pour moi. Appelle-moi comme tu veux. Red 13, on garde. Allez. Dommage qu'on n'aurait pas pu l'équiper. Par contre là, antidote. Bon, bah, Mylène! La PS4 s'était éteinte, j'espère qu'elle va pas se rééteindre. C'est chiant, lui, avec ça. Je leur emmène des PV, je leur redonne. Je
Salut à ceux qui viennent d'arriver. C'est bon. Sinon, Babylone, tu joues à quoi en général? Il y a une Materia. Iris, ça va? Elle a l'air d'aller bien, sur beaucoup de plans. J'ai le droit de choisir, moi aussi. Je n'aime pas les machins de pattes. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Excuse-moi. Bonne question. Mes réponses difficiles. Je suis ce que tu vois. Tu dois avoir beaucoup de questions, mais d'abord, sortons d'ici. Je vous guiderai. Cloud, alors tu es venu pour moi? Je m'excuse pour ce qui s'est passé là-bas. Essayez de tromper la garde d'Ojo. C'est un jeu de guerre, ça, je crois. Hein, parce que je suis pas au fait de tous les jeux en ce moment. Maintenant que nous avons sauvé Iris, inutile de rester dans ce bâtiment. Alors partons vite d'ici. Si on sort tous les cinq en même temps, on se fera remarquer. Séparons-nous en deux groupes. Triangle pour accéder au menu, rond pour modifier le groupe. Iris, elle vient avec nous. On va prendre les deux ici. Attends. Non! Ah si, c'est bon. J'ai cru que j'ai été gouré. Ah non, bah je me suis gouré. Bah, c'est un jeu de guerre, hein, mais dans l'espace. Alors attends. C'est un matériel qu'il me faut. C'est bon. Nous partirons les premiers. Retrouvez-nous à l'ascenseur du 66e étage. À plus tard. Retrouvez-nous à l'ascenseur du 60e étage. J'ai failli vous gagner. Ah non, ta. Talent de l'ennemi. Ça me dit pas ce que c'est, ce que ça fait. Je pense, enfin, ce que ça fait. Je pense que c'est pour découvrir les capacités de l'ennemi. Non, je vais pas faire ça. Chut. Viens ici, toi. Viens ici. Qui se met à la fenêtre, j'aime pas trop des fois.
Hein. Je sais que tu me vois. Ah. Ça va pour l'instant. Elle est folle. Elle est folle, elle est folle. T'as des animaux, Babylone, toi? Ah cool. Tu les as appelés comment? J'aime bien savoir les noms, parce qu'ils sont là, ils sont tout mignons. Non, je t'en prie, ne me tue pas. Je ne faisais que ce que Skojo me demandait. Pour te le prouver, voici la carte d'accès au 67e étage. Est-ce que je ferais ça si j'étais ton ennemi? Bah tu es mon ennemi à la base. Hein? Mais bon. Ah, c'est des noms de chats corrects. Pas par là. Tout le monde est à l'ascenseur du 70e étage. Je sais, mais je voulais voir quand même. Oh. Bon, j'ai que tout du 60e. Puis il m'a donné la carte du 68e. Franchement, ça sert à rien, puisque j'y suis déjà. Oups. Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Pourrais-tu appuyer sur O? Les Turcs, c'est sûrement un piège. Quelle sensation tu as dû avoir? Ça t'a plu? Vous allez tous vous faire prendre, vous aussi. Vous allez tous vous faire prendre aussi. Non mais... Vous êtes tous fait prendre aussi. C'est mieux. Parce que là... Où est Iris? En lieu sûr. C'est une des rares survivantes des anciens. Tu ne le sais pas? Il se faisait appeler les Cetra. Et il vivait, il y a des milliers d'années... À présent, c'est une page oubliée de l'histoire. Les Cetra, cette fille est une survivante des Cetra. Les Cetra, ou les anciens, vont nous guider vers la terre promise. J'ai beaucoup d'espoir en elle. La terre promise, n'est-ce pas une simple légende? Même si c'était le cas, pourquoi ne pas en assurer? On dit que la terre promise est très fertile. Si la terre est fertile, alors il doit y avoir de l'énergie Mako. Absolument. C'est la raison pour laquelle l'argent que nous gagnons avec le réacteur Mako est nécessaire. L'abondant Mako viendra à nous tous. L'abondant Mako viendra à nous tout seul.
C'est là que Neo Midgar sera construite la nouvelle gloire de la Shinra. Arrête de rêver. Mais tu n'es pas au courant. De nos jours, ce qu'il faut pour réaliser ses rêves, c'est de l'argent et du pouvoir. Eh bien, voilà qui conclut cette réunion. Allez, ça suffit. Attends, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Si tu as besoin d'autre chose, adresse-toi à ma secrétaire. Ils auraient dû la rajouter LOL. Ou MDR, un des deux. On peut sortir? Laisse-moi faire. Vachement dur. Psst. Cloud, tu es si brave. Je demande comment va Barrett. On va faire dans l'ordre. Iris fait partie des anciens. Et le vrai nom des anciens est Cetra. Les anciens savent où se trouve la Terre Promise et la Shinra recherche la Terre Promise. J'ai vaguement entendu parler de la Terre Promise, je ne sais pas si elle existe vraiment. C'est bon ? La Shinra croit que la Terre Promise renferme de l'énergie Mako. Cela signifie que si la Shinra la trouve, elle épuisera toute l'énergie Mako. Et la Terre se desséchera, la planète s'affaiblira. Je ne peux pas les laisser seuls. Je vais recruter de nouveaux membres. Moi, Tifa, Cloud et Iris aussi. Et toi? Tu es si ennuyeux. Grand-père. Grand-père ? Ah, grand-père. Ah. Qu'y a-t-il de si drôle ? Qu'y a-t-il de si drôle ? Rien ? Ah. T'es tout ? D'accord. Bon. Très intéressant. Cloud, tu es là ? Iris, tu es saine et sauve ? Oui, je vais bien. Je savais que Cloud viendrait me chercher. Hé, je suis ton garde du corps, non ? On avait dit un rendez-vous, c'est ça ? Oh, je comprends. Tifa, tu es là toi aussi ? Excuse-moi. Dis-moi, Iris, j'ai une question. Quoi ? La Terre Promise existe-t-elle vraiment ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les Cetra naissent de la planète, communiquent avec la planète et peuvent l'ouvrir. Et alors ? Les Cetra retourneront à la Terre Promise, une terre qui promet un bonheur suprême. Qu'est-ce que ça veut dire ? Plus que des mots, je ne sais pas. Parler avec la planète ? Mais que dit la planète ? Il y a beaucoup de monde et de bruit, c'est pour cette raison que je ne comprends pas ce qu'ils disent. Tu l'entends maintenant ? Je ne l'ai entendu que dans l'église des Todi. Mère disait que Midgar n'était plus en sécurité. C'est ma vraie mère. Partir de Midgar un jour, communiquer avec la planète et trouver ma Terre Promise. C'est ce que maman disait. Je croyais que je n'entendrais plus sa voix en grandissant, mais... Dors-moi un peu. Dormons un peu plus. Nanana.
Oula, c'est ouvert. La porte est ouverte. Depuis quand est-elle ouverte? Je peux pas. Que s'est-il passé? Je peux pas ouvrir? Ou ouais, faut que je réveille Tifa? Tifa, réveille-toi! Que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde dehors. Je peux pas. Je me demande ce qui s'est passé. Il doit avoir la clé sur lui. Allez Tifa, emmène Iris. Je vais aider Barrett et les autres. Barrett, Red 13, venez avec moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment es-tu entré? Pourquoi la porte est-elle ouverte? Et vas-y, passe à travers moi. Je dirai rien. On a dû être attaqué par quelque chose de surnaturel. Mais que se passe-t-il? Aucun humain n'aurait été capable de faire ça. Je pars devant. J'assure les arrières. Alors partez devant, les gars. Ne vous faites pas prendre par la Shinra. Venez, suivons Red 13. Ah, non, ils sont tous morts. Le spécimen de Genova. On dirait qu'il est allé à l'étage supérieur en utilisant l'ascenseur des spécimens. Détruit le truc. Profitez pour sauvegarder avant que ça s'éteigne, on sait jamais. On dirait que ça va vers. Juste en haut. Attends, je vais voir pour sentir. Ok. Je regarde pour des objets, on sait jamais. Oui.
c'est les corps. J'aime bien les autres personnages me passent à travers, mais moi je peux pas. C'est totalement logique. Alors attends, attends, attends. On nous a tout retiré? Ah non, c'est elle qui a pas. Ah bah, tu bio, tiens. Poison. Tout. Parlant ennemi. Et on va te voler. Nous attend. Oh, planté par un sabre. Moi je sais qui c'est. Il est mort. Le directeur de la Shinra est mort. Alors cette épée doit être assez féroce. Sephiroth est vivant ? Apparemment oui. Sephiroth est le seul à savoir utiliser cette épée. Peu importe qui est responsable, c'est la fin de la Shinra maintenant. Pitié, ne me tue pas ! Que s'est-il passé ? Sephiroth ! Sephiroth est venu ! Tu l'as vu ? Tu as vu Sephiroth ? Oui, je l'ai vu ! Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu l'as vraiment vu? Hé, pourquoi mentirais-je dans un moment pareil? J'ai entendu sa voix, oui, aussi. Il disait quelque chose comme « Je ne te laisserai pas préparer de la Terre Promise ». Et c'était quand? Cela veut dire que la Terre Promise existe vraiment et que Sephiroth est ici pour empêcher la Shinra de s'en emparer? Alors c'est quelqu'un de bien? Empêcher la Shinra de s'emparer de la Terre Promise? Quelqu'un de bien? Non. Ce n'est pas si simple. Je le connais. La mission de Sephiroth est bien différente. Rufus! Mince, je l'avais oublié. Qui est-ce? Le vice-président Rufus. Le fils du président. Ah, attends, tu ne veux pas passer là, toi. Regardez l'épée. Ah ouais. Alors Sephiroth est bien là, en fin de compte. Qui êtes-vous? Je m'appelle Cloud, ancien soldat de première classe. Je fais partie d'Avalanche. Ah ouais, mais les musiques sont cool, franchement. Je sais pas s'ils vont garder des musiques quand ils auront fini le jeu pour le remake, ou s'ils vont faire des nouvelles, ou alors est-ce qu'ils feront comme certains jeux, genre il y a c'est des nouvelles musiques dans le remake et que on puisse avoir une nouvelle musique, enfin les anciennes musiques quoi, genre ça serait sortir en DLC ou un truc du genre, mais je suis pas sûr. Et si ça sort en DLC, franchement, faudrait que ça soit gratuit parce que je vois pas l'intérêt d'y mettre payant quoi. Mais les musiques sont cool. Je fais partie d'Avalanche! Moi de même. Je suis une marchande de fleurs. J'étais un spécimen de recherche. Quelle équipe! Eh bien, je m'appelle Rufus. Je suis le président de la Shinra. Si tu es président, c'est seulement parce que ton père est mort. C'est vrai. Je vais vous faire écouter mon discours d'investiture. Le vieux voulait contrôler le monde avec de l'argent. On dirait que ça a marché. Parce que la population pensait que la Shinra la protégerait. Travaille à la Shinra, fais-toi payer. Si un terroriste attaque, l'armée de la Shinra t'aidera. Tout a l'air parfait. Mais je ne vois pas les choses comme ça. Je contrôle le monde par la terreur,
Les méthodes de mon père sont trop coûteuses. Faire régner la terreur permet de contrôler la populace. Il n'y a pas de raison de gaspiller de l'argent pour le peuple. Il aime faire des discours tout comme son père. Emmène Iris hors de ce bâtiment. Quoi ? Je t'expliquerai plus tard. Barret, il en va de la planète. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'expliquerai plus tard. Contente-toi de faire ce que je te dis pour l'instant. Je viendrai dès que je me serai occupé de lui. Très bien, Cloud. Cloud, je viens de penser à quelque chose. Je vais attendre Cloud. Tout le monde sent dans l'ascenseur. À partir de maintenant, ça risque de se corser. Nous devrions vérifier notre matériel. La matériel de Cloud et de Tifa. Allez, c'est tel quel. Alors, déjà, placer toi ici, toujours au milieu. Matéria. Feu. Feu. On va te sentir ici. Et glace. Voilà, ça ira. Attends. Ah, c'est chiant. Je vais attendre Cloud. Tout le monde dans l'ascenseur. Ouais, je voulais sauvegarder, moi. Ah, dans l'ascenseur, d'accord. On va pas passer par ici. Là c'est un boss, je mets pas les avantages. Niveau 18. Ah bah ça va. Avec lui. C'est bon. Ça va, c'est facile.
Ah mince, il y en a un deuxième, j'avais pas vu. Ok, d'accord, j'avais dit. C'est Barrette qui détruit le deuxième. Cercle de Mithril. Voilà, c'est fait. Vu qu'il est tout seul, on va mettre foudre là, ici. Il y a feu là. Hein. Ou non ! Poison, poison. Ah non. Ah, c'est vrai que comme c'est à. Ah non, si. Il devrait y avoir poison. Ça a pas pris ce petit pas. Voilà. Comme ça, restauré. Voilà, c'est fait. Pourquoi veux-tu te battre avec moi? Tu cherches la terre promise et Sephiroth. Oui, exactement. Sais-tu que Sephiroth est un ancien? Salut Koba, merci d'être passé, ça fait plaisir. Sinon, bon, je sais que ça va pas trop fort, mais tu tiens le coup? Beaucoup de choses se sont passées quand... Beaucoup de choses se sont passées. Quoi qu'il en soit, je ne peux laisser personne, ni toi, ni Sephiroth, s'emparer de la terre promise. Je vois. Je suppose donc que nous ne serons pas amis. Ah,
bah je suis vraiment désolé. En tout cas, t'as mon soutien et t'as aussi le soutien de la, comment dire, la communauté qui a rejoué. Hein. Ça tout le sait, c'est très bien. Merci Koba, ça fait plaisir. C'est qu'on est là de toute façon. J'espère que tu pourras être là quand il y aura le 3, quoi. Je veux dire, tu pourras peut-être pas rester tout du long, vu ton état, je veux dire. Donc. Bloqué, je sais pas comment j'ai fait pour bloquer. Ouais, je sais bien. Bon, au moins, comme tu le fais, un coucou et on saura que t'es là, quoi. Donc, tu seras avec nous dans un sens, je veux dire. Donc, si tu dois te reposer, on sait que c'est pas simple. Bon, je suppose que c'est pas simple. En tout cas, je peux pas te dire que je peux comprendre tout ça, hein, parce que je suis pas dans ce cas-là, mais. En tout cas, tu sais qu'on est là. De rien, c'est normal. Antidote. Il est où l'antidote? J'en ai plus? Ah bah j'en ai plus. Bah remède, non? Mais j'ai pas le remède. Ah bah tant pis. Hein. Sauvegardance. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Donc on est sur Final Fantasy 15. Final Fantasy 7. Franchement, Final Fantasy 15, c'était comme ça. Un mini-jeu, peut-être. Allez, go. Où est Rufus? Je n'ai pas pu m'en débarrasser. Tout ça risque d'être compliqué. Non, en plus moi ma play est assez éteinte là. Assez éteinte à quoi il est quelle heure là? Il était 1h50, il était 21h à peu près. 20h50, 21h, ça s'était éteint. Je vais passer devant. Voilà.
Nous sommes cernés, hein. Si j'étais seul, cela n'aurait pas grande importance, mais j'ai ma réputation à défendre. Santé tous, pendant qu'il est encore temps. Ce n'est pas après vous qu'ils en ont. C'est moi qui poursuive. Ouais, ça ne doit pas se passer comme ça. Tu t'es occupé de Marlène au péril de ta vie. Maintenant, c'est à moi de veiller sur toi. Ok, fini de jouer. Maintenant, les gars. Merci, monsieur Barrett. Qui a fait ça, monsieur Barrett? Ça sonne faux. Eh bien, alors, si votre conversation est terminée, je propose qu'on essaie de trouver un moyen de sortir d'ici. Hein? Oh, oh oui. Fais pas la mère poule. Tu ressembles à un certain soldat de ma connaissance. Tu as dit quelque chose? Non, rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Barrett? Barrett? Putain, c'est Tifa qui parle et je fais la voix de Barrett. PS4. Le jeu sur PS4, en fait. Tifa, où est Claude? Cloud. Par ici, tous. Hein? Que se passe-t-il? Où est Cloud? Plus tard, grouillez-vous. Première scène cinématique. C'est un truc de musée et elle fonctionne. Je pense que ça devait être une déco, mais bon, elle. Ils ont de la chance qu'ils aient laissé le moteur d'origine. En tout cas, qu'ils aient laissé le moteur dedans. Quoi. Ah ouais, le coma en fait. Hier soir, tu sais, j'étais sur le stream. En train de streamer, je veux dire. Sur. Comment ça s'appelle ? Sur Death Gun. Et à un moment donné, il y a un mec, alors Apple Leaks, après je sais plus si c'était quoi le reste du nom, il m'avait fait au début un don de 10€. Donc j'ai fait, cool, bah merci, c'était la première fois, donc ça m'avait fait vraiment plaisir. Deuxième fois, il me fait un don de 50€. Et après 1000, non, c'était 50, après c'était 500, après c'était 1000, 5000, 100000. Je lui dis, mais attends, il y a un truc qui va pas. Tu peux pas me faire don comme ça. Je veux dire qu'il y a Anguille sous roche là. Il me fait ouais non mais en fait mes parents sont riches donc il n'y a pas de souci. Je fais non, il n'y a pas de ça paraît trop gros. 10€, 50€ encore je veux bien, mais au-delà on peut se poser des questions quoi. Il voulait que je crée un compte PayPal, tout ça. C'était chelou, j'ai vérifié mes emails, tout ça. Il y a un mec qui me disait que normalement, quand t'as des dons, t'as des notifications, mais j'ai pas eu de ça. Donc, tac, ok, gauche, droite. On va former groupe. Toi, tu restes avec nous. Je vais garder, je vais prendre toi, voilà, les deux ici, ça ira. C'est bon, hop, go. Allez. Je vais les toucher, hein. Voilà. Normalement, t'as un boss là, normalement, qui va arriver.
que ça me paraissait trop gros, tu vois, qu'il me... que quelqu'un puisse offrir jusqu'à 100 000, quoi. C'est... ça, ça aurait pu être possible, mais il fallait vraiment une grosse raison. Mais bon, en même temps, moi, je suis pas sur Twitch pour être hyper connu ou un truc du genre, quoi. Si c'est quelqu'un doit offrir 100 000 euros à un streamer, bah, c'est pour les gros streamers, Gotaga, des trucs comme ça, t'as des streamers comme lui, quoi. Allez! Ah, j'arrive pas à ça. Allez. Voilà, il arrive. Non, c'est sûr. C'est ce que je me suis dit. Mais le truc, c'est que, voilà, faut vraiment, voilà, donner 100 000 euros à quelqu'un qui est vraiment un gros streamer, quoi, avec des tas de gens qui regardent. Donc, non. Ah mince, c'est pas de... J'aurais dû vérifier de mettre quelque chose sur elle là. Merci d'être passé en tout cas, bonne continuation à toi aussi et bonne soirée et porte-toi bien. Porte-toi bien. Double.
terre, ça fait plus de mal. Voilà. Sceller le mal. Je sais pas ce que c'était. Ça doit être une capacité, ça. Eh bien, que faisons-nous à présent ? Sephiroth est vivant. Je dois l'éliminer. Et ça sauvera la planète ? Peut-être, oui. Ok, je pars. Je pars aussi. Il y a des choses que j'aimerais savoir. Sur les anciens ? Beaucoup de choses. Au revoir, Midgar. Je rentre chez moi, dans ma ville natale. Je resterai avec toi jusque-là. Je suppose que c'est le début de notre voyage. Tu n'aimes pas voyager ? C'est dangereux de venir, c'est sûr. Je ne sais pas, mais je n'ai nulle part ou ailleurs où aller. Alors, je crois que la question n'est pas de savoir si j'aime ou non voyager. Tu sais quoi ? C'est la première fois que je quitte Midgar. Vraiment ? Tu t'inquiètes ? C'est dangereux. Tu veux venir, c'est sûr ? Un peu, non. Peut-être beaucoup. Mais j'ai mon garde du corps, non ? Nous avons dit à la mère d'Iris d'aller en lieu sûr. Ainsi, Marlène sera elle aussi en sécurité. Oui, certainement. Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle ne voulait pas rester à Midgar. Peut-être a fait-elle le bon choix ? Peut-être fait-elle le bon choix ? Ok, bon, on est go. Alors ? Restons ici un moment. Allons-y. Nous avons besoin d'un chef pour notre voyage, et je crois que je suis le seul à pouvoir exercer cette fonction. Tu crois ça ? Ça devrait être Cloud. Très bien. Va au nord, vers la ville de Calm, Cloud. Si tu y arrives, nous nous retrouverons là-bas. Mais nous ne pouvons pas rester tous les cinq, c'est trop dangereux. Séparons-nous en deux groupes. Alors comme j'ai dit, toi, tu restes avec moi. Soit avec Barrett, tiens. Non. Voilà, comme ça, c'est mieux. On se retrouve à Calm. Ou à Kelm, je sais pas comment ça se dit. Enregistrement sur un canon. Ok, donc là c'est automatique. Waouh, ça fait super longtemps que j'ai pas vu la carte comme ça, quoi. T'as l'impression que Midgar est toute petite, mais en fait non. Bon, bah en tout cas, bah, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc je sais pas c'est qui reste, hein. Je pense que c'est toi, Apollux. Et pas Apollux, Babylone. C'est bien toi qui reste encore là, non ? Ou c'est EA ? En tout cas, bah moi, je vais m'arrêter là. On continuera dans un prochain live. Peut-être demain soir ou après-demain, je sais pas encore. Bah, je préviendrai de toute façon. Si... Par exemple, Babylone, c'était toujours là, bien sûr. Je vais mettre le lien de mon compte Twitter. Non, c'est pas là-dedans que je fais. C'est là-dedans. Ouais, bah bonne nuit, mais
Attends, tu peux rester juste deux secondes, s'il te plaît? Juste deux secondes. En même temps, je veux dire, est-ce que ça t'a plu? Je veux dire, dans un sens, est-ce que ça t'a plu? Attends, je vais se regarder comme ça en même temps. Mes liens en fait de mon compte Twitter. Voilà, c'est Twitch. Qu'est-ce que ça fait là? Mais Twitch. Twitter, j'ai dit, je vais mettre. Tout ça comme ça, tac. Ça veut pas, ça met que contre Twitch, c'est nul. Pourquoi ça veut pas? Bon bah en tout cas bah, mon compte Twitter hein, c'est Mikarob. Ah. C'est attends je vais même le marquer d'ailleurs tiens. Comme ça. Voilà, ça c'est mon compte Mikarob. C'est mon compte Twitter, je veux dire. Donc si ça plaît, bah voilà. Bon, en tout cas, donc je reste ici. Je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura plu, parce que aussi, je sais pas si je vais mettre sur mon compte sur ma chaîne YouTube. Donc à la prochaine. Ciao.